Salut tout le monde, c'est Xeleco et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play d'Evoland 2. L'épisode précédent ayant vu l'arrivée du Tactical RPG, je vous ai posé une question simple. Est-ce que vous vouliez tous les combats en Tactical RPG ou alors est-ce que je les passais? La réponse était unanime dans les commentaires. Vous les vouliez tous? Et bien voici un épisode spécial du coup Tactical RPG. On va passer par en haut pour voir un petit peu les canons de siège, etc. Puis on fera le bas également. Donc les armes secrètes, c'est parti, il y a un campement. Lieutenant, nous allons faire le siège de Démonia. Il nous faut à tout prix conserver ces catapultes en parfait état. Je compte sur vous pour les protéger pendant le trajet. Monseigneur, vous êtes un grand magicien. Oui, oui, c'est exact. Vous devez donc avoir d'immenses pouvoirs, des reliques surpuissantes, non? Oui, oui, bien entendu, mais où voulez-vous en venir au juste? Alors pourquoi nous laisser seuls à pousser ces énormes machines? Vous pourriez les faire voler, les téléporter ou les protéger avec un bouclier magique, non? C'est l'heure, je dois vous laisser. Bonne chance. Et la moindre égratignure sur les catapultes sera retenue sur votre solde. Soldats, en avant! Mais... Maintenant, Damonia de ce côté. Vous en êtes certain? Bon, d'accord. Demi-tour. Mais non, pas moi, vous! Non, pas vous, moi! Enfin, le contraire. Bon, reprenons depuis le début. J'avoue qu'il se parle à lui-même. Mais c'est terrible! Ces machines vont faire de centaines de victimes! Effectivement, la guerre risque de tourner court si ces machines arrivent à Démonia. Il faut intervenir. Très bien. Rien ne sert de continuer si ces engins de mort parviennent à leur fin. Réduisons-les en miettes. Bonjour, l'attente du commandement. Je voudrais commander. Et j'ai pas de thunes. Quand on n'a pas de thunes, on commande pas. Charger. Ok, on est bon, c'est le tour de l'ennemi. Il va y avoir du soldat dégommé, hein. Ok, ça va être chaud, chaud, chaud. Ok, 20. C'est pas terrible, hein. Il faut que je fasse plus de dégâts que ça. Ok, on a touché 4 ennemis, je pense que là c'est pas mal. J'ai vraiment chargé à mort parce qu'on va essayer de rush dans les lignes au prochain tour en fait. Il est pas bien d'Alkin là. Est-ce que je peux en toucher un de plus? Apparemment non, je pense que j'ai tout le monde. Ok, c'est parti. Thank you.
C'est super efficace le Super Punch. Ok, bon, on a bien réduit déjà une catapulte en moins. Dalkin va pouvoir survivre, il reste plus qu'un archer, donc ça, ça va. On a encore des petits mercenaires, on va pouvoir ouvrir. On pourra aller chercher la catapulte restante avec le pouvoir de glace. Ok, un soldat de moins. Il est pas rentable, mais je vais enlever la catapulte à tout prix. Ok, un petit bandit de moins. On va laisser tout le monde protégé dans cette formation carapace, c'est pas mal. Après, si les autres unités, genre le chevalier et puis l'archer cavalerie, là, ils ont des capacités, peut-être que je vais sortir un petit peu de la formation. Pour l'instant, ils n'ont pas de capacité, c'est des unités neutres, donc on fait très très attention à ça. L'archer est super pour buter ça. Parfait. Il a pas tué, sérieusement. Bon, pas grave. Allez, le boss, là. Il a pas mal de points de vie aussi, le héros, mine de rien. Ok, peut-être un archer supplémentaire, je trouve que les légionnaires servent pas trop en fait ici. Les autres, tellement ils oressent tout le monde, c'est un peu n'importe quoi. Presque Dalkin, presque. C'est le punch démoniaque du prince de Démonia! Malheureusement, je ne pense pas que ce soit les seuls dont dispose Magus. Il faut continuer sur cette route et les rattraper, sinon ils s'en serviront pour s'emparer de Démonia. Genre, je peux le retourner à l'autre là-haut?
700. Ouah, ça douille. Ouais, je vais garder, je vais les booster au prochain combat. Et un château là, ça a l'air cool. Lieutenant, le colonel Dalkin et ses amis commencent à poser problème. Il faut les arrêter, j'ai donc décidé de leur tendre un piège. Si vous pouviez ne pas rire comme ça, monseigneur, vous me collez une de ces chairs de poule. Bon, voilà ce que nous allons faire. Vous, vous restez ici avec quelques hommes. Oui, monseigneur. Vous attirez comme vous pouvez. Oui, monseigneur. Et pendant qu'ils vous étripent, des renforts surgiront par derrière pour les vaincre. Oui, mon... Je ne suis pas certain d'avoir saisi tout le plan. Un détail me gêne. Mais non, ne vous en faites pas. Tout va bien se passer. Si vous le dites, monseigneur. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Donc on va devoir rester en formation carrée. Rendez-vous, vous êtes faibles et peu nombreux. Nous pouvons éviter le bain de sang. Menos, il faut toujours dire s'il vous plaît si tu veux que les gens t'écoutent. Vous avez raison, mademoiselle Ninou. Rendez-vous, nous vous massacrerons, s'il vous plaît. Menos. Oh non, ils sont déjà là, on va tous y passer, vite, appelez les renforts. Mais le seigneur Magus a dit d'attendre de se faire attaquer. Pas question que j'attende, appelez les renforts tout de suite. Ils ne sont pas du bon côté. La situation est loin d'être idéale. Nous sommes quand même encerclés. Il faut gérer cette crise avec calme. T'inquiète. Moi, je vois un méga archer dans mon équipe. Ah, j'aurais dû penser à ça, c'est dommage. On va attendre, hein. Ah, elles font mal les catapultes là. Peut-être pouvoir les détruire si j'envoie Menos, mais derrière il va falloir faire du kill. Alors. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la grosse merde. Je voulais pas appuyer, mais ça a appuyé trop vite. On enlève les archers, ça fait tellement mal. Bien joué le coup critique. Il va mourir mon petit légionnaire, mais bon. Comment on va s'y prendre? Un point de vie, la catapulte, c'est tellement pas de bol. Allez, survie légionnaire, tu peux le faire! On y croit. Une fois qu'on a buté ce truc-là, ça va aller. Hein.
Ah merde, je vais pas utiliser un slash pour ça. Ok, là on est pas mal. Est-ce qu'il va encore y avoir des renforts de l'autre côté? C'est une bonne question, je ne pense pas. Qu'est-ce qui a attaqué là? Ah, il y a un genre d'ennemi là derrière la tour, j'avais pas vu. J'aurais dû la reculer, oh, c'est pas grave. Ça va le faire. Il reste plus que deux archers qui sont un petit peu enquiquinants. Mais ça passe plutôt bien. Alors, je suis quand même assez curieux parce qu'ils ont dit que la voie du bas c'était la voie la plus rapide, mais il y avait beaucoup de troupes. Et la voie du haut, il y avait les catapultes et c'était plus simple. C'était soit plus rapide ou plus simple. Celle-là, c'est la plus simple. Alors, je me demande ce que c'est la rapide. Je suis assez curieux. Ça le tuera pas, ça. Parfait. Comme ça, il passe pas. Et ben voilà, c'était pas très dur. Là, on a du point là. On leur rentre dans l'art. Qu'elle soigne 37, parfait ça. Ah, c'est pas intelligent d'avoir utilisé la glace, sachant qu'il peut pas contre-attaquer.
Bon, 62, ça va tomber, hein. Fuck, si je le tue pas là. Oh my god! Non, 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 non. Dis-moi que tu lui enlèves 3 points de vie. Oh, la pression! J'ai cru que mon perso allait mourir. Par contre, il leur restait des catapultes. Ils doivent les fabriquer non loin d'ici. Il vaudrait peut-être mieux explorer les alentours. Je propose plutôt de rejoindre Démonia au plus vite. Trêve de bavardage, suivons Xeleko. Blablabla. Donnez-moi de l'eau magique, rendez-moi mes points de vie, 3 points de vie là. Ben voilà, 94. Enfin, là on a fait 2 combats. Donc da fuck, en fait il y a 3 combats en haut, 3 combats en bas. Hein. Je vois pas où c'est plus rapide, monsieur les développeurs. Vous... Parce que là, si je compte 1 ici et que je compte 2 là, bon. Je vois pas la différence. Bah, après, je suis peut-être pas doué. Lieutenant. Regardez-moi quand je vous parle. Oui. Vous devez à tout prix protéger ce pont. Quel pont? Comment ça, quel pont? On met celui qui est derrière vous, enfin. Ah oui, il y a bien un pont. Voilà, et donc vous devez le défendre. De qui? Eh bien, de toute personne qui voudrait le prendre. Prendre le pont? Mais pour le mettre où? Bon. On va faire plus simple. Vous ne quittez pas ce pont des yeux, et si quelqu'un approche, vous le mettez en joue sans sommation, c'est bon? Je t'éclaire cette fois, je pense. C'est pas faux. Le c'est pas faux! Le c'est pas faux de Kaamelott! Le fameux c'est pas faux de Kaamelott, quand le mec, quand Perceval ne comprend pas. C'est pas faux. En joue? Sommation? Oh non, l'ennemi semble bien préparé à défendre ce pont. Je ne sais pas si une attaque frontale est la meilleure des stratégies. Et si on utilisait la ruse? Qu'est-ce donc que cela? C'est une façon de gagner sans combattre. Nous autres démons appelons cela de la lâcheté. J'imagine que c'est une question de point de vue. Réfléchir un peu avant de foncer ne peut pas faire de mal. Xeleko pense à recruter de nouvelles troupes dans notre armée. Nous en aurons certainement besoin. Vas-y, moi je veux des archers, moi. Ah là, c'est la compagnie créole, c'est parti. Parfait, nous avons réussi à les prendre à revers. Nous allons pouvoir éliminer les archers en premier. Xeleko, nous attendons ton ordre. Enfin, de toute façon, ça change rien, comme on peut traverser les unités. Je suis trop débile. J'aurais dû attendre de faire un tour à vide. Oh là là là, ça va mal se mettre. Lieutenant, on nous attaque par derrière! Impossible, je ne vois rien! De l'autre côté, lieutenant, de l'autre côté! Sœur Perlipopette, ce sont de fins stratèges, tout le monde sauf moi! Chargez! J'aurais tellement dû faire une charge à vide. Là, je m'en veux, là. Thank you.
épaule ce qu'il fallait. Oh, il a pas la portée, lui. Putain, c'est un cavalier, quoi. J'aurais peut-être dû soigner, quand même. Je suis gourmand. Bon, ça va le faire. Mais... pas tarder, hein. Le soin, il y en a besoin, là. Je pense que ça va faire un truc sur 3 lignes, non, peut-être. Il y a moyen de ratiboiser du truc, là. Pas grave, je sors comme ça. Bon, on va avoir un mort. Mais bon. On a plus de résistance sur notre tank. On n'est pas dans Fire Emblem, ils peuvent mourir. Alors, est-ce que ça tape fort? Ouah, 30, c'est pas dégueu ça. What? Comment j'ai pris trop cher? Mais au moins ça tape, hein. Je suis de le protéger, mais au moins je suis content. Ça tape! C'est ce qu'on voulait. Ouais, ce sera un tueur d'infanterie. Mais si j'ai pris 14, comment il a... il a 15 de défense, moi j'ai 28, ah ouais. Ouais. Bon, comme ça on est bien, on va avoir le full unité complet, pardon. Attends, j'ai combien de vie? Ouais, c'est bon. Ok. Boum! Et c'est parti! Magnifique stratégie, à présent que l'ennemi se croit en sécurité, il faut profiter de notre avantage. Continuons. On n'aura pas d'autres tanks pour l'instant.
mais c'est pas grave, on s'en fout. J'ai vu qu'il y avait un commentaire aussi qui parlait des champs de fleurs. Lieutenant, nous avons perdu le pont sur la rivière Kawaii. Le pont de la rivière Kwai. Vous connaissez le pont de la rivière Kwai quand même, la musique. Si nous ne voulons conserver nos lignes de ravitaillement... La musique. Si nous ne voulons conserver nos lignes de ravitaillement, il faut le reprendre. Je vous confie donc ce bataillon d'élite. Foncez sans vous arrêter. Sans m'arrêter. En marche. Ouh. J'ai comme une douleur à l'estomac. Ah, mon ventre. Je ne peux plus me retenir. Soldat, ne bougez plus. J'ai une mission importante à accomplir. Les troupes ennemies se sont engagées dans le défilé. Il faut utiliser l'environnement à notre avantage. Je pense que nous pouvons attaquer le bataillon sur trois fronts distincts. Zeko choisit celui qui nous vaudra la victoire. Bah, c'est le front des archers, hein. Arrive, il y aura deux vagues. Et moi, je vais me lancer là. Et est-ce qu'on peut faire la stratégie de je me cache? Merde, non! Oui, bon, c'est pas grave. Ah bah, il me voit, là, c'est pas des buissons alors, c'est pourri. Bon, on va passer à la formation alors, hein. Merde, il est pas mort. Ça perturbe mes plans, ça. Ok, c'est bon. On devrait avoir éliminé tous les archers avant que ça arrive.
peut-être dû buter un fantassin plutôt. Ok, ça va le faire. Si je peux tanker et soigner le peu de dégâts que je prends, c'est bon. Hein. Les petits légionnaires font pas très très mal. Boum. Ah, c'est la win. Menos va nous éclater tout ça. Par contre ça fait mal, hein. Ça fait 40 par tour, donc faut que je les bute vite les archers. Ça fait plus que mes soins. Là, elle la charge en glace. Oui, je bute l'archer. Et ben voilà. Ah, j'aurais dû le décaler. Ça encaisse quand même ces petits trucs là, hein. C'est pas dégueu du tout. Allez, un de moins. Ça fera plus fort que Menos quand même, hein. Pas dégueu. Et hop. Faut que je glace le boss en fait, mais bon, je vais le faire au prochain tour.
Allez, prince de démonia, c'est parti. Oh, il est pas mort. Archer humain, alors, du coup. Ok, c'est passé. C'était le bon choix. Continuer à rassembler des troupes. Oui, donc j'avais des commentaires de trucs de chants de fleurs. J'ai pas trop pigé. Je sais plus qui m'a dit ça. Là. Ouais, mettez un like, un pouce vert. Je veux absolument que vous ayez les couilles, voient ça. T'inquiète pas, je lis les commentaires pour la plupart. Genre 95%. Je vois pas de quel chant de fleurs tu parles. Ah bah, c'est peut-être ça. Lieutenant, les forces de l'Empire marchent sur nous. Nous devons réagir. Réagir à quoi? Ne vous inquiétez pas, j'ai un plan. J'ai trouvé des démons assez bêtes pour croire que je suis venu les protéger de l'Empire. Il nous suffit de les utiliser comme boucliers. Comme boucliers? Oui, comme boucliers. Nous allons les placer devant nos troupes pour qu'ils prennent les coups à notre place. Ah mais oui, bien sûr. Devant nous, comme des boucliers. Mais sans les porter, donc, je me disais aussi. Je veux pas savoir ce que vous aviez compris. Je compte sur vous pour trouver une façon de l'expliquer aux démons. À vos ordres, monseigneur. Amis démons, votre jour de gloire est arrivé. Défendez votre pays face aux envahisseurs. Si nous anéantissons cette armée, nous aiderez-vous à attaquer l'Empire? Bien entendu, le grand Magus est tout puissant. Avec lui à vos côtés, vous vengerez de l'Empire. Vous vengerez de l'Empire. S'il est si puissant, pourquoi ne se bat-il pas avec nous? C'est vrai, ça pourquoi? Cela ne vous paraît pas injuste? Si, si, tout à fait. Il a l'air sincère. Ou est-il simplement stupide? Écoutez, la prochaine fois, je lui demanderai de rester, ok? Je suis pas certain de leur faire confiance, mais quel autre choix avons-nous? Si seulement notre roi nous avait survécu. Ils envoient des démons en première ligne, comment ont-ils fait pour les convaincre de combattre à leur côté? Je reconnais bien là la perfidie de Magus, il est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Je ne peux pas me battre contre les miens, peut-être pourrais-je les convaincre. Malheureusement, la dernière fois que nous avons essayé, cela s'est pas bien passé. Il doit pourtant y avoir un moyen. Bon alors, c'est assez drôle parce que toi tu combats des humains, tu butes des humains, on dit rien, mais le mec ne veut pas buter... Bon alors là ça va swinguer, hein. Trois archers, croyez-moi. Ok. Bon, je pense que comme ça on est pas mal. Hein. Allez, c'est parti. Ça va claquer. Ça fait du 2, du 6, ah, et de la catapulte en bas aussi. Voilà, je pense qu'on va spammer les soins. J'ai 3 archers hein, pour faire le ménage, maintenant je me pose plus la question. On va attendre Menos, et puis une fois que Menos sera prêt, il défoncera tout ça. Ça prend cher quand même, faut que je me méfie. Ok, donc lui, ça charge. Ah. Ah, je suis con. Ouais, non, peut-être pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a moins de vie? Ça a moins de vie. Oh, la plus chère. Bon, ça devrait le faire. Alors, 8. 10.
19. 27. 36. 38. 40. 48. 57. 64. Oh, je suis mort. Veni, vidi, muru. Ah putain, ils sont trop. J'aurais dû fermer avant. J'ai fait une erreur stratégique. Bon, après, c'est foutu. Alors... J'aurais dû cloîtrer avant, en fait. Et là, j'ai encore mal joué puisque j'aurais dû faire ça avec Menos. Attends, si je la gagne, je rigole. Ah, j'ai des unités à sacrifice, hein, mais ça c'est la base. Oh. Ok. Oh non, t'es sérieux, le 1 point de vie. Ok, on va sacrifier... Plus c'est que je peux pas y aller parce que si mon héros meurt, c'est fini quoi. Ok, on va aller chercher Master difficulté là. Attends, 9? Oh non, je me suis fait carotte là. Oh, double carotte. Bon, ça va être terminé. Attends, 9? J'ai pas compris le délire. Pourquoi 9? Je suis mort à l'archer là. Et voilà. Oh non, même pas. Oh, encore un tour. On peut pas sur-end en plus, donc c'est assez chaud. Ouais, ça tue pas. Et ça finit.
Le duo d'amoureux peut-être. Ok. Non mais là même là je fais des conneries. Bon allez allez allez, qu'on perde et qu'on enchaîne. Voilà, c'est bon. Pas aller plus loin en fait. Ok. Là comme ça il va pouvoir répliquer notre petit Dalkin. On va gagner en DPS du coup sur le coup. Ok, il va falloir juste que j'intervertisse les archers. Ah et vache, il y a une ouverture là. Oh le jeu est sadique là, on la voit pas du tout celle-là. Ah ouais non mais ça punit ça. Bah écoutez, je vais mettre moi. Non, je vais prendre trop cher. Pourquoi je fais ça? Ça me sert à rien. Je fais des trucs cons. Ils vont mourir ceux-là au prochain tour de toute façon. J'ai pas besoin de la glace pour la contre-attaque, donc ça me sert à rien. Allez Menos, là on compte sur toi, hein, parce que là ils vont tous se paquer. Et c'est le dieu de la destruction que tu dois nous montrer. C'est le tour à passer. Et derrière, faut tout détruire. La catapulte, j'aurais pas, elle est un peu trop loin. Allez, Dalkin, tiens le coup. Yes! On peut faire. C'est le moment de briller. 3, 2, 1. Thank you.
Eh bien voilà, c'est GG. Oh, attends, il y a encore le magot là, mais il n'y a plus d'archer, toutes ces conneries là. Ouais, tout de suite, quand on met la frontline, c'est beaucoup plus simple. Juste qu'ils tiennent ce tour là, mais voilà, ça va aller, il n'y a plus que des officiers. Je sais plus si j'ai des manas pour éveiller peut-être le niveau 2 de... Ah, j'aurais peut-être dû aller voir. Est-ce que j'ai le mana pour éveiller le niveau 2 de la petite nénette avec moi? Ah, oh, j'avais pas, j'ai oublié la catapulte top, merde. Il tient le coup, Poutros, là. Il m'a semblé voir le prince Ménos. Et ouais, mais t'es mort. Allez, on termine ça. Est-ce que c'était ça les champs de fleurs? Mais je vois pas trop ce qui est spécial aux champs de fleurs en fait. Si c'était ça les champs de fleurs, eh ben c'est des petites pâquerettes déjà. Et je vois pas trop un champ non plus, hein. Oh, le boss va tellement le défoncer. Go 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 go! Allez, Prince Ménos! D'autres démons sont tombés sous nos coups. Je n'imagine pas ce que j'y arriverais si je me retrouvais dans la même situation. Mais face à mon propre Fris, Reno. Je compte sur vous pour m'aider à libérer Démonia. C'est tout! C'est tout, c'est ça le champ de fleurs que vous vouliez que je fasse?
Ça donne même pas de classe spéciale. Un truc caché ou quoi que ce soit. Que dalle. C'est naze le champ de fleurs. Je vous écouterai plus à l'avenir. Ah, attends, il y a un champ de fleurs là-bas aussi. Ah, je vous fais un épisode complet, hein.